Ma daronne me supporte depuis le mois de décembre et le docteur me fait signe qu'il est grand temps que je descende. On est dans le 9-4. Dans les années 80, je te parle de ça. Il y a 20 ans, forcément, je me rappelle de rien. J'étais ce gosse sans souci à traîner avec mes potes. Des grosses lunettes de l'époque, je m'en bats la race. J'avais déjà la cote. Je suis assez mûr, mais l'école ça me plaît pas. Ne t'en fais pas, c'est ce qu'on me dit lorsque mes parents se séparent. Évidemment, je déménage. Prends de l'âge, on me fait souvent la morale. Par peur que je prenne le large. Le profil d'un mauvais garçon. Le business pour vocation. Mauvaise fréquentation, le proviseur et les convocations. Je pète la forme au moment de mes 12-13. Je déteste les keufs et je souhaiterais même que tous crèvent. Ces fils de pute envoient mon grand frère sous écrou. Ma mère en pleure et moi je cache tous les sentiments que j'éprouve. 15 piges, je suis en plein dans l'adolescence. C'est de ce peu à la baraque et mon cerveau part dans tous les sens. Je traîne avec AMAD, y'avait pas de pute à maquer, juste des mecs qui braquent à mater. Je partage entre la school, les miss et le bis rentable. Mon frère qui s'éternise en cage, les mises en garde des remparts, je traîne tard. Y'a mes amis auprès de moi pendant que le daron se lève pour prier et aller au raid. Moi j'ai besoin d'argent, donc je charbonne comme dans Koh-Lanta. Des chiens de la casse t'arrachent ton string et même les Koh-Lanta. Bercé par Scarface et les affranchis. Les anciens eux font du chiffre dans le shit, des affaires en Chine. Mais moi j'aimerais percer au foot à cette heure-ci, je suis lycéen. La merde on aime la foutre et au fond on se dit que c'est rien. Je suis accro au biatch, les frères nous parlent de djihad pendant que ça se tue au pilon à la pillage. Découvre le rap sur une feuille blanche, je raconte ma vie en noir. J'ai du pain sur la planche mais ma daronne croit plus en moi. Pourtant ambitieux et intelligent, qu'aime pas trop gratter les gens, encore moins écarter les jambes. Une putain d'époque où on en a marre des légendes. Si on te guette c'est pas que t'es beau, c'est qu'on veut barber tes jambes. Vu que les embrouilles s'additionnent, on s'étouffe. La bonne voie est à prendre, on fait les sourds et on le sait tous. Qu'est-ce que tu comptes faire, Kiddy? Est-ce que tu as l'intention de continuer à traîner dans les rues? Jusqu'à ce qu'on te tue? Comme ton cousin, peut-être? Tu sais, Sharif a fait des dizaines et des dizaines de conneries avant de découvrir l'islam. Moi, je ne suis pas musulman. Et si Allah arrive à faire de mon fils un homme meilleur que Jésus, alors je suis tout à fait pour. Quels que soient les changements que tu dois faire, il faut que tu les fasses. Donc, j'emmerde les feux d'être, c'est pas ce que je rêve d'être. Trop s'en foutre plein les narines ou deviennent deb. J'suis trop souvent absent ou renvoyé des cours. Non, je préfère traîner avec mes sauces en bas des tours. Les années passent. Idrissa rentre dans le jean, tant d'événements me surpasse. Des poteaux tombent pendant que je deal. Pendant un bon moment, le chétan m'a nourri, mais j'ai mûri et reposé mon flingue dans l'armurerie. J'ai arrêté tant de choses qui étaient maléfiques, mais j'ai toujours la rage de vaincre et la haine quand j'étais maléfique. À peine 20 piges, j'ai 7 frères et je suis ravi. Mais on m'a dit, maudit souffre, il lui reste quelques jours à vivre. Tiens le coup, les épreuves s'accumulent et j'encaisse, le temps presse. Besoin d'amour et tendresse, j'évite d'être sentimental. Surtout si elle a trop de vice, elle. Tire tout d'une pute, mais rien d'une ficelle. J'avais plus d'autres vocations, hormis son, c'était du talent et du culot. Dans un avenir sombre, j'ai deux cas comme collectif. Fut une époque, on était plein, loin des strass, mais proche des gens qui pensent qu'on était plein, j'bédave. Peut-être pour fuir une vie stressante, la justice en a raison de saisir l'occasion qui se présente. Même quand tu trimes, les gens parlent. Des haineux, des jaloux, des fils de f. Et j'en passe. Sidi et Caillot, quoi qu'il arrive, restez zen pour moi. C'est comme mes propres frères et je les aime. Quelques principes, mais aucune devise. En fait, je suis l'acteur principal de cette chaîne de vie.